Bonjour peuple congolais, papa, maman, onyokwami pour nakozwa visa, agence de voyage Smart Consulting et pour nabino. Oza na posa obima na ba pays locaux la Canada, États-Unis, ba pays nyonso ba état Schengen, Turquie na ba pays lolenge na lolenge na $500 Smart Consulting et salaire bino assistance et visa. Ba bourse peut être disponible pour na bana nyonso bazana posa okokende kotanga libanda pour na pays ya Tunisie, Chypre et Biélorussie. Oza na posa ya kozwa biso toza esika ya kobongate au komi na rond-point Willery na avenue Louvong 165 immeuble Kazam na premier niveau. Toza wana oza na posa ya kozwa ba information na nzela ya téléphone. Oza na posa ozwa biso na nzela ya téléphone obengi biso na 081 144 38 91, soit obengi numéro Moussousou 081 32 62 203. Smart Consulting, avec $500 on peut voyager partout dans le monde. Merci, Mbote Nabino Nyos, ici Kabozwami, Bozana Kinshasa, Bozali Banda, Kinshasa, Bozana Kote, Tabi Siège, Zago Penamoto, Bozana Kotoyo, ma rebelle, Bozana Kokanga, ma mokolo, ma mokolo, ma mousape, Ali Banda, Kinshasa, Tope Sibino Mbote. Mardi 26 octobre 2021, République démocratique du Congo, Mboka, Yama Kambe, Bele Bele, Mboka, Yama Spectacle, Yama Lamo, Pekom, Yama Be, Mboka ya ba révélation à l'oulengi nyonso, mboka ya ba émotion, mboka ya tension, nengi komédie moka me sincère kolobe sa viso, tension, na rossi mbote, mena robo moka na tension, la ville démocratique du Congo, mboka oyo, l'état el si viso kino bilo yo kita, to poussa ni bilo yo kitite, l'état sa sous une explication à l'opé sa te po bilo yo kitate, wazaga la ville démocratique du Congo, la ville démocratique du Congo, mboko l'état la ki, et sa l'émite l'état kangi mouna kopo explication sa te. Ville de Mardi du Congo, Mboko yo, et Talisa met la mise en place, parce que Ram est en sous-basse, mais après conseil des ministres, va bon goli à mon stratégie. Le but est Ram est en téléphone à 3G, à 4G, sauf qu'il y a à 5G, au 10G, il y aura quand même 1, 2G, pour Ram à Zate. Voilà la République de Mardi du Congo. Sur sous-basse, mais comme il y a 3G, 4G. Bon, ma penseur, ma rôle, ma renom, ma fortune, ma foutre à Ramon Bongo et Belé. Il faut un parc de belé, il faut un bateau, il faut un principe, surtout Ming, il faut un socialisme, il faut un principe. Tout le monde est en France, avec l'arrivée de François Hollande au pouvoir, la plus grosse fortune en France, il faut un banc à Ming, il faut un déplacer ma banque d'activité économique, la banque pour être François Hollande, Ral Sonaki, la plus grosse fortune, il faut un parc de belé. Moto à Zan, en gote, bon comprendre, pour te belé, il faut déclarer, nénénéni, maman a mal à foutre à Ram, le lingé, mon député. Explication, ça reste. Maman a ramé foutu à ma parole. Ram. Maman a ramé foutu à ram le lingue mon a député. Et ça, moi, j'ai une information. Tant que mon Zamboka, a ça depuis lobby en Égypte, plutôt en Israël. Et sur la zone, séjour, il y a 5 jours, mission mon officielle. Mon collègue, le à l'université, mon comme c'est président de la République, on a eu ce cas où ça part beaucoup de la bande de com. Et belé, belé. Moïse Katumbi, semaine annoncé qu'il y a un anagin Tchaksa. Alors, il y a un bois à l'icanis, il souka, il y a un bois à tout mon canon aïe, à Kolongwata, au Tika, à l'Union sacrée, Moïse Katumbi, à Koya Kinshasa, à Koutana, à l'instance union sur la partie politique naïe, à Koutana, à partenaire, à peu balé, à la famille politique naïe, à Koutana, à force vive, peu, na simana, ronda, à Koyeb Sabiso. Est-ce que position, oh, il y a Moïse Katumbi, ezali kobanga, tout ezali sagesse? On va réfléchir dans notre règle de Moko et Moïse Katumbi na plateau, mais la dernière minute a annoncé que Aroui Koyate n'est pas un peu de choses à de quoi il est aïe. Soit il ne voit pas aïe, beau tenir biso rigueur, t'es beau le bagano, beau sur la bande de la mouka neuf, si c'est beau tenir biso rigueur, parce que ne voulant pas de la capacité la caramine en bouteille, mais oui, qui chasse la réalité en bouteille, ça m'a mis. Mais à Zakoya, nous espérons qu'à temps l'arrêtat de Kolangaï Donald Kabasele à Kokoma, la partie de Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi a pona batou malamu pour ba kamba parti na ye? Est-ce que Moïse Katumbi a de bonnes personnes autour de lui? Botala. Dimanche, Moloka Saoyo, Martin Fayoulou, FCC, Bandeko Ensemble, Bandeko CLC, Bandeko Senko, Bandeko Pele Pele Basala, Basignaki.
moto moka signango na compte ensemble comme on est maître par comme on est papi mbaka azali avocat azali mokitani yande kona biso ozana makalo bakangaki Jacquindala azali mokitani nae ayo tali jeunesse ensemble yemta signaki lokwana na simarango ndeko Francis Kalombo maître Francis Kalombo na benga ebongo aleki na ba media albete bango baza concerné té na loko wana ngai na solo na maître papi mbaga bango ngaza na invité pe na msa lo a présenter mes excuses pour ça na urgence mo alobi ya zwaki ndingi sa kouta na ba instance ya parti atika ntotsela ka na makambolo gouverneur à ville na professeur na mokonzi à la police à ville à Kinshasa aya ba yebisa ka biso hiérarchie de nani est-ce hiérarchie ya papi mbaki ezali Francis Kalombo to ezali secrétaire général la présidence à partir. Il faut noter que Papi Mbaki Azali, Mokonzi à Kinshasa, c'est deuxième personnalité, à jeunesse ensemble, donc il y a Congo Mobimba, tout le monde est dans Libanda. Francis Kalombo Azali, certes, porte-parole, il y a Moïse Katoumbi, mais Azali, Mokonzi, Kaka à Kinshasa. Parce que nous sommes dans Moïse Katoumbi, mais bon, c'est surtout le candidat de nomination. À Kinshasa, on a Francis Kalombo, on a Daniel Safou. Bah on est pas conçu ensemble dans Kinshasa. Et puis il y a Mike Mukeba eux à côté à l'égamonios ensemble. Ce cas là pour ça à côté. Bah tu bien pas besoin d'aller les trios là. Et après ça Moïse Katoumbi. Nzela malam outé na Kinshasa et bongo kongsa moi mukeba à l'égamboana. Ngazo le baka makambo batum. Oh bazar le baka. Procès à matata pognon. Et banda qui mukola. Le but même bah envoyer un go pour le 8 novembre. Par le but l'entreprise sud-africaine nous basagé la première interprète. N'ayez pas zéro le bas. Azayeko loba langue nini, azayeko loba anglais, to azayeko loba makambo ebele baba bloko na bango azo izulu soye loko nini me interprète sala kite yango ba renvoyer yango pour le 8 novembre. J'espère que interprète ko sala pe makambo ko pousana à l'international coup d'état mo salami na Soudan. Général comment les anane Fatal Barman Barman combo na bango zama ba combo passe qui m'a commis l'homme fort à Soudan avant les signes au ministre premier ministre au tasaïa au Kangama. Donc ça m'a le connu la bango à Zaïa au Kangama. La bite que ça m'a le connu la bango au gouvernement. On est dans mon nom sur Bovan. En fait, depuis un certain temps, bah, coup d'été comme il y a en Afrique. Est-ce que la démocratie à l'africaine a échoué ou encore les dirigeants africains préfèrent remplir leurs poches oubliant batou ba c'est ça va qui na bango pour te ba koma na bisika ba komi yango conséquence logique la ngozo ça que l'armée azo récupérer la pouvoir à un certain moment l'armée aussi devient démagogue parce que azo ba gatoyer tout ça a gabolé tout tika bon ba pour la civile ba consommer l'armée sera vendre azo vendre à pesant kanzami to remeka moi mke ko beta ni solango na mokola le livre na recommandant ko na ba politiciens congolais théorie des jeux conflit, négociation, coopération et pouvoir. Pierre Deïse, nous avons recommandé à la politique congolaise. Vous avez ma casse la pute. Sauf quand il y a le paragraphe, mon livre, mon bali, même si on comprend les contours, on peut pomper battre la pute. Autant la rappeler. Merci, madame. Autant la. Nous avons la souka, monsieur. Pour aller loin, avant que Donald Kabassé l'aille, Aristote Ngarimi, la préférée dans le bâté pépère, préférée dans le bâté politologue, internationaliste, dans le bâté nanisus, la préférée plus tôt que Nabatanda, soit la naïbi pour la nini, Aristote Ngarimi, la pétion mbote. Mbote, Ndeko Trésor Kalafai, Nandeko Kalisingai, sous la tombe à l'élo, la pétion mbote, la co-débatteur Nangai, la pétion mbote, la bande de Kounio, sous la colla Nangai, Ndeko Kalafai, moi, introduction, la zala qui surpris à Koyoka, compte rendu. Le gouvernement étant ma qui parle de copatek mouya comme une porte-parole à gouvernement va instruire en air la ministre intérieur va lutter contre le tribalisme. N'a mis posé mille et une questions. Est-ce que le tribalisme est que vous allez vraiment stopper, éradiquer, atténuer par l'agent soit bien dit en air la ministre intérieur? Est-ce que le tribalisme c'est un phénomène social ou un fait social qui a nécessité la recette? Il y a un anthropologue, un sociologue, un politologue pour aider mon cousin pour éradiquer. Est-ce que le fait c'est pour charger en air les méthodes répressives? Ça ici pour rappeler, Ndeko, ma méthode est à couper, c'est pour charger en air, à traquer, à salabouir. C'est une méthode répressive, psychologiquement parlant. Ils ont bandi ça, ils ont déjà causé un intestin, ils ont malamouté. Donc, ils ont organisé ce tribalisme,
et ça va approcher belé et qu'on éradiquer en vous allez en RT quand il tribalisme la année et caché le comme ça c'est une forte concentration à pouvoir dans la boîte à moutoupo à 4 à tous sur Bakamba Koloba de quoi Aristote même ordre d'idée est-ce que les tribalismes c'est dit ou c'est dit voilà en réalité le tribalisme c'est dit okay. C'est dit ça veut dire quoi c'est ça dit par rapport à ma acte ma action à vous mener sur le terrain il suffit seulement mon a pour être sûr que ça c'est dit de comme mon cons il y a république admettons tu peux aussi devenir pourquoi pas au coin mon cons la république osa tu te dis que il faut nommer parce que ça l'ordonnance il faut nommer mais t'as l'architecte la composition nomination là yo ceux qui bâtissent bah liés bah ça les titres comparatifs parce que comment la nomination là yo et ça qu'on s'est rapproché beaucoup plus à la tribune là yo tu te dis qu'on a mieux protégé la tribune là yo qu'on a mieux sécurisé par la tribune donc on le constate ça c'est dit et puis il y a trois dimensions il y a au combat vraiment sur le plan institutionnel déco il faut pas qu'on mette tout d'abord il y a ce qu'on appelle les mandats électifs il y a le mandat nominatif il y a même la cooptation parce que la copte a fait tout. À ces trois niveaux, on a des fois côté, mais qui en a, c'est celui qui dirige. Le mandat électif, le mandat nominatif, le mandat la cooptation. Le temps que ça râle, que nous sommes au salamana. Bon, il faut que la mise tribalisme, et qu'on ne jamais stoppé dans un air. Votre anthropologue, vous allez vivant, ma sociologue. Merci, ça va, Rotindi, à l'aide, Adam Moussoukou, avec nous, quand on a Moussoukou, pendant la propos. Je m'arrête ici, concernant la bateau, basant la spécialisation de la banque, la comptabilité, finances publiques et autres. Pourquoi bah, contre-disarrêter la bah, publication à OEDEP? Jusque là, OEDEP sera lobby. Ce qui IGF a lobby, OEDEP a lobby, bah, tu vas te le ministre qui basse à l'OBA, OEDEP a l'OBA. Nan, on a des éléments contradictoires. Tu sais, non, OEDEP a l'OBA, ce n'est pas 260 millions pour RAM, c'est autant. Nan, on a des je sais pas pourquoi pour ça la maramboana tout ce qui a retourné prof yeni n'a pas si open bote mbote mingi mbote na baiba pour l'anda biso mbote na yo mbote na ko débatteur na ngai de quoi Aristote ngarime kasi na lingi na zonga likambo ya tribalisme lobby to lobby la ki amona ndeko na yo Jacques na SML TV tribalisme même par définition ça dit d'abord tout bien le ko la organisation sociale fondée ou basée sur la tribu. Tout organisation sociale n'est pas le coin de tribalisme. Ils allaient penser. Donc, ce côté, ils allaient que les tribus et unis, la nation, la philosophie allemande, ou à l'objet même origine, tout ça. Bif, ils allaient produire à vivre collectif. Alors, la nation, d'ailleurs, élite intellectuelle, politique, économique, nabiso, élite, nabiso, va réussir pour créer une nation. À cause, il y a la vérité ou ethnique. Vous voyez, bateau, bateau, avoir un discours, il y a le monde. Mais il y a eu un discours savant. Réprimant pratiquement certaines recettes magiques pour que nous soyons les bossus, discours il y a roi de Belge que nous semblons toujours négliger. Dans ce discours-là, le roi a insisté sur un fléau et pour détruire Congo à l'objet. Il a parlé du tribalisme. Le roi de Belge en 60 lisait son discours. Ça, les Congolais n'élisent pas et n'en parlent pas. Sauf que l'idée de dit pas à Congolais, comme on a beaucoup. On a Congolais à Boussani. Donc le roi des Belges on a y revenir dans le discours de 60. Et ça les fléaux. Car si Ekopé ça passe, si pour moi, un
producteur qui veut pratiquement sanctionner Bayeba pour consommer produit, Toba côté les produits naïfs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit ici, le tribalisme, c'est vie. Moi, je pose le tribalisme, c'est par les actes. Lorsque vous nommez, c'est de votre tribu, n'a pas aujourd'hui, qu'on soit clair, en parlant du tribalisme, il y a une forte concentration, il y a pouvoir. Il y a persistance, c'est pas être, et pas, il y a province, mon corps. Il y a Kassai. Et non, faut pas dire d'autres provinces. Je suis contre mon corps. Oui, je parle d'une province. Oui. Ou dans la moi tribu moko boué. Je vous dis, ça pose problème. Et ça allait qu'on créer ma frustration. Et il y a moi le conseil la paix qui est pas qu'on fragiliser le vivre collectif. Oyebi, bato ba ébite que tribu, tout tribalisme, c'est une production ou un produit occidental. Lorsque l'homme blanc est venu, tant qu'on est au Kambabiso, l'homme blanc voulait à tout prix na départ naïe azalana qu'on a même mise sur la gestion à Congo. Comment diviser le Congo? A créer ma grands ensembles ethniques. Bangala, Baluba, Bangongo, na Bashwaili. En réalité, tous les exemples. Est-ce que Bangala Bazali est une tribu, tout ça? Toi aussi Bangala. Tozali na trois souches ethniques, hein, principalement. Tozali na ba Bantu, Tozali na ba Pygmé, Tozali na ba Nilotico. Tozalina Bantu Pygmé Nilotico, oui, il y a Bantu Pygmé Nilotico. Et dans mon coin, mis ça toi, nana, tu as combien d'années? On a 4. Un 4, donc on a 4. Donc on a Bantu Pygmé. Donc, ma souche ethnique n'a mis ce yangouana. Ce qui est au Tali Équateur, la partie nord est occupée juste par les Soudanais. Et n'a c'est l'angouana. Vous avez la Bantu, n'a pas Pygmé. Hein? Ah ok, na banilotique, donc banilotique parce qu'il na est. Mais Babylon Kouana et Zali Kaka, tant l'homme blanc qui, on a connu la session katangaise, on a connu la session au niveau ya Kassai. Pourquoi? C'est parce que Zala qui a repris identitaire des Zala qui cause naengo, l'homme blanc a utilisé nos acteurs partant. Na Babylon Kouya tia qui na kat nebiso. Mobutu en arrivant au pouvoir. Mobutu na 65 ans du pouvoir. Dans son discours programme, Mobutu annonce la lutte contre le tribalisme. Voilà pourquoi Madame Bakako s'est référé à l'ordonnance de à Mobutu à 66. Oh, il a fallu qu'on lutte contre le tribalisme. Parce qu'Akutaki, pour n'aille, le fléau qui a gangréné la première république, c'était pratiquement le tribalisme. Voilà pourquoi Linga qui a lutté contre Nango a eu l'administration des non-autochtones. Est-ce que aujourd'hui l'administration des non-autochtones va peut-être pourra sauver la RDC de ces fléaux du tribalisme? Aristote Ngarim, une minute. D'abord, cher Kalafai, le premier acteur majeur où il faut lutter contre le tribalisme, c'est le premier citoyen de la République. C'est le chef de l'État. C'est lui. C'est lui qui hausse les tons. Voilà, non, je vais d'abord. Comme on a dit que le tribalisme, c'est vie. Nous devons vivre ça. Nous devons le contraire. Voilà. Donc, le premier acteur majeur, où il faut poser l'acte, à ça, l'action contre le tribalisme, c'est le chef de l'État lui-même, d'abord, le numéro un. Il ne faut pas dire une chose et son contraire. On n'est pas des petits garçons, des petits messieurs. Le peuple a ça qu'on a matisé tout le monde à 14 ans. On voit comment le pouvoir est clanique, le pouvoir est tribal, le pouvoir est provincial. Nous voyons. Le chef d'État. Non, le chef d'État, dans son entourage, ressortissant. D'abord, premier acteur. Il a un directeur de cabinet qui n'est pas chez lui. Premier acteur. Je disais tantôt, premier acteur majeur, c'est le chef de l'État lui-même. Deuxième, Mobutu a fait comme l'a dit ici, Mobutu a fait la politique territoriale. Encore pour la qualité en haut politique à terre, c'est à dire que yo aux amoutou ya maniema babatindio peut-être na Congo central tel est le courant, c'est à dire que Mobutu a voulu créer une nation en effet, hein, cette volonté de vouloir vivre ensemble, de partager ensemble, d'avoir une même histoire, c'est à dire que Mobutu a appliqué ça. Bon, Kabila quand il est venu, Kabila a appliqué parce qu'on appelle la géopolitique, même dans ma nomination d'ailleurs, c'est à dire que Mobutu c'est en fait Kabila plutôt tenait compte na ba représentativité à la province Moussous pour former ce qu'on appelle classe gouvernante, classe dirigeante.
C'est pas la géopolitique, pas, en fait, non, permettez. La dose, mais là, c'est les vers tribalisme, n'est pas arrivé avec le clan. Je pose des questions. Non. Maintenant, ma question est celle-ci. Avec l'actuel président, quelle est sa recette Oyaye comme président pour lutter contre le tribalisme? Dois-je comprendre que sa recette, c'est la mer pour pas traquer? Dois-je comprendre que sa recette, c'est le ministère de l'Intérieur pour pas traquer? Et comment est-ce qu'on dit de manière arbitraire? De sur ça, la gare émission Boye, mon amour, tu m'auras année à fin de la zone. Pour le moment, tribalisme, tout le monde est bien, Bakangio. Donc, écoute ici, Kobanga, pour nous, le plus grand chef, il y a eu 4 ans, nous avons eu un bon cas, mais c'est loin, ils ont les cas. Nous ne voyons pas, Signoana qui est mon cas, ils ont contre le tribalisme. D'abord, il y a eu un retour qui n'est pas été zone à paille. On ne peut pas concentrer les pouvoirs dans une seule zone géographique. On ne peut pas voir un ministre des Finances, une seule zone géographique. Non, on ne peut pas voir des ressortissants. Il n'y a pas que la compétence dans une seule zone géographique. Permettez que je puisse évoluer un peu, Ndeko. On ne peut pas avoir une forte concentration à pouvoir dans une seule zone géographique. Il n'y a pas que des compétences là-bas. De quoi tu as la classe d'université, tu as la province de Bélé. Pour nous, autant de ceux qui sont là, ministre des Finances, seule zone géographique, gouverneur à banque. Il y a zone géographique moko. Président cour constitutionnel, c'est géographique moko. On a na CENI, même zone géographique. Je n'ai pas. Ministre affaires étrangères. Je n'ai pas dit qu'il va démériter. Non, lui, il va tanguiter. Il ne sait pas aussi qu'il va tanguiter, il va compétent. Mais en termes géopolitique, pour la frister ma minorité, peut-être Bazali prêt, na pour ça mon abattu. Donc, le chef de l'État doit faire en sorte à chaque fois que l'ordonnance naïe, à ça que ça la mise en place, à tenir compte d'ango, ou les motifs d'abus sont anéants. D'ailleurs, Monsieur, vous êtes convié à l'année. Déjà sur le plan psychologique, tu t'es dit, allez la Benignaï, allez, puisque. Donc pourquoi une histoire comme ça, moi tu n'as pas année, puisque ça dit qu'il y a des recettes anthropologiques et sociologiques pour aussi ça. Merci Aristote, Ngarimi, Seni, prestation à Serma et Zali Lelo, la Cour constitutionnelle. Prof. Dalingito Zongasus Nalikambanate, prenons 2 minutes simplement. Il y a depuis un certain temps, vague Mokoyaba coup d'État en Afrique. Est-ce que la démocratie à l'africaine échoue? Est-ce que ceux qui arrivent au pouvoir, donc les dirigeants africains, travaillent plus pour leurs intérêts, oubliés à la population? Est-ce qu'ils sont dociles dans tout ce qu'on a comme sommet France-Afrique, sommet Russie-Afrique? Aujourd'hui, on aura même un sommet Turquie-Afrique, on ne sait pas tout évoluer. On a un sommet Chine-Afrique. Est-ce que ce sont des bons élèves dans ce sens-là, travaillant pour les intérêts Oyo, la famille politique d'Aristote combattait, c'est-à-dire l'impérialisme, oubliant qu'ils sont là pour un peuple avec un mandat bien précis. Bon, et Nakanissi, d'abord, au centre, c'est l'égocentrisme. Oyo, ça dit qu'au temps où ça va y avoir au Kambakiso, tant que vous avez commis la population, vous avez mis ça, et coquille, et commis tant que vous avez mis ça, tout ces pays-là. Le problème de l'économie comme tribalisme, quand en interne, la gestion n'est pas efficace. Népotisme, clientélisme, détournement, concussion, corruption, c'est-à-dire qu'on bat des records. Coulage de recettes, gabegie financière, c'est-à-dire qu'on caractérise l'action interne est faible. Nos dirigeants vendent pratiquement une image à l'extérieur. Vous savez, même nos élections de Kanzaka, c'est pour la consommation extérieure. Ce ne sont pas des élections organisées pour améliorer la gouvernance interne. Non, c'est pour la consommation extérieure. Faire voir aux autres que nous sommes quand même démocratiques. Donc, répondre aux exigences des puissances occidentales qui vous imposent la démocratie à l'occidental. Or, laisse-moi juste te rappeler, la démocratie n'est pas une invention occidentale. Le mot démocratie, c'est une invention grecque, inventée par Périclès dans le 5e siècle. J'ai dit le mot démocratie. Mais la pratique démocratique est ancienne en Afrique. Parce que lorsque vous observez, au domaine le technique, il y a arbre à palabre. Gestion, et pas la même chose que dans le banga.
dans chaque village, dans chaque coin de la République, vous trouverez un lié dans chaque Nadashkolo, Bayebasi, Bazui, Bazoua, pour trouver des solutions, pour décider, pour la gestion, il y a espace Nabango. Et puis, ma résolution, tout le temps, les décisions, vraiment, il y a consensus, sont des décisions réellement démocratiques. Donc, les pratiques démocratiques ont existé dans l'Afrique pré-coloniale. Et ça, on a une démocratie. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes dans la carte d'espace au bateau comme bien allé l'eau. Alors, si les pratiques démocratiques sont trouvent leur origine dans le pays en Afrique, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la série à coup d'État et autres aussi longtemps là, ma palabre se retrouver autour d'une table, parler, se disputer, on finit à avoir une solution négociée et collée à l'Afrique. Pourquoi on doit avoir aujourd'hui un coup d'État? Bon, les coups d'État, c'est parce que et allez produit à bas inégalité. Bah inégalité, lorsque bah militaire, pendant que c'est retrouvé, inefficacité action à mission gouvernementale et ça lit gestion à mission. On est plus là comme des serviteurs de l'Occident, comme des serviteurs de multinationales étrangères. On est là, il n'y a pas longtemps, on parlait dans l'est du pays, dans le contrat léonais entre sino-congolais. Tout le monde. D'ailleurs, il y a même, on a levé le ton pour comment pour remodeler le contrat. Où en sommes-nous? Je vous dirai aujourd'hui, le gouvernement a pris une autre posture. Dans le contrat, chaque fois que nous avons un problème, il y a les tons chinois et d'un côté les mains. C'est parce que les Chinois ont compris que nos intérêts sont garantis. On est là pour les intérêts occidentaux ou bien pour les intérêts congolais. Nos dirigeants sont là pour les statu quo par rapport à la mission occident et ils travaillent plus pour les intérêts de la vérité nationale et à bas citoyens. D'ailleurs, merci. C'est pour les citoyens. Merci, Aristote Ngari. Est-ce que les dirigeants africains, les loyaux, en fait, ce côté là, même la série, à beaucoup de temps, en plus, c'est l'Afrique francophone. C'est vrai, l'Afrique anglophone, ils ont à moi quelques pays, mais c'est plus l'Afrique francophone. Est-ce que nos dirigeants travaillent plus, premièrement, pour leurs propres intérêts, en fait, leurs propres intérêts, même via un deuxième projet, travaillent pour les multinationales, faire des yeux doux à tous ces impérialistes et oyaux. Joseph Kabila dans sa philosophie a combattu et puis deuxièmement pour leurs propres intérêts, conséquence, le peuple dans tous les domaines ne se retrouve pas et ceux qui ont les armes avec eux, les militaires préfèrent faire un coup d'état malheureusement et aussi n'arrivent pas ou n'arrivent plus à travailler, enfin n'arrivent pas à travailler pour le peuple. Merci Nero Kalafai, c'est une question complexe, comment va coup d'état négocié en Afrique, c'est très complexe. Brièvement, il faut d'abord qu'on rappelle origine Afrique. Parcours et Afrique, Afrique colonisée. Nous avons connu continent, nous avons dit colonisé à un certain moment. Afrique, autre continent, indépendance de la colonisation, toujours indépendance, dans les années 60. Dans l'État africain, belé, toujours dans l'Ipanda. Tolongwe, na indépendance, toke na Afrique, ozoluka démocratisation. Voilà, dans les années 90. Au commun d'avis sur la conférence en France souveraine, Awa, Togo, ainsi de suite, tout le cas qui est au Kenya, Nabagambo, Italie, démocratie. Tout le monde, Togo, Soukot, comme en Afrique, on va dire alternance. Donc le plus grand défi, il y a un continent africain pour l'instant, c'est l'alternance. Après avoir que tant on va parcourir, nous sommes tous alliés, les alternances, c'est comme un défi encore majeur, dans le niveau, il y a un continent. Oyo, certains États, mais d'autres ont du mal à intérioriser cette donne. Il y a alternance dans le continent africain. Si aujourd'hui, le pays africain, sur la table, combien il y a d'États africains qui ont accepté donne ou il y a alternance.
Baza moke. On peut citer quelques-uns. Quelques-uns. Du doigt, Ghana, voilà. Nigeria. Justement, Baza Kotanga. Mais vous trouverez des gens, Baza na l'idée on est à se maintenir, de rester aussi longtemps possible. Or que l'Afrique évolue. L'Afrique est ça qui est de plus en plus. Ça veut dire que ceux qui vont se conformer dans Vawana, alors, et qu'on balaye Bango avec le temps. Donc c'est ça en fait la réalité aujourd'hui. Ma cambo alternance est comme une donne mon co oyo de gozon asimate. Donc quel est le souci dans ma cambo dans alternance voilà. Donc quel est le souci? Le vrai problème aujourd'hui c'est rencontrer les déshydratants du peuple. Quand vous êtes au sommet, quand vous gérez, bon, nous le savons, la politique c'est tout simplement l'organisation de la société en vue de réaliser un intérêt général. Quand vous êtes au sommet, vous avez un programme, vous avez le pouvoir. Le plus important, c'est de rencontrer le vrai problème du peuple. Et en Afrique, le vrai problème en soi, c'est la jeunesse, le chômage, tout ce que nous connaissons tout autour des jeunes. Eux, les dirigeants africains, ils ont résolu en côté. Frustration, on est à la jeune. Frustration, on est à peuple. Eux, les dirigeants, ils ont résolu en côté. Ils ont résolu en côté. Découler dans beaucoup de sur un coup d'état. À cela, il faut aussi ajouter la mauvaise gouvernance. Donc, le plus important, il faut te interroger, Ndeko. Moi, je crois que alternance, il faut aller et le Congo très. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, dans les jours à venir, dans le continent africain, dans un écosystème, il y a alternance. Non seulement ça, il faut aussi rencontrer le peuple. Il faut la gouvernance de changer. Il faut, ce qu'on dit, les objectifs de développement durable. On a défini par 17 objectifs. Comment réduire la pauvreté, comment réduire la famine, comment éradiquer certaines maladies. Donc, du coup, ma dirigeant de la mission africaine est capable de rencontrer ma problème. Voilà. Donc, j'ai appris ce qui s'est passé dans le Soudan. J'ai appris, mais c'est un coup. Ils ont requis. Ils ont requis. Le biseau qui. Ceux qui coulent les tests ennemis, ils allaient suspendre le fonctionnement normal de l'État. C'est ce qu'il a déjà fait, l'homme fort à Soudan, à suspendre la constitution, à suspendre la blogue, tout ça, ils ont mis la case départ. Donc, on va dire que ton alissou sur l'architecture, parce que les essais sont en dessous. Donc, moi, je n'encourage pas les coups d'État, mais il y a quand même un point qu'on a évoqué. Merci profondément de vous corriger. 30 secondes, on va toujours là. Nakani, c'est bon. Quand on dit l'Afrique a besoin de l'alternative, quoi, de l'alternance, je pense que c'est bien. Mais l'Afrique a besoin aussi de l'alternative. Vous savez, on a connu une alternance dans ce pays. Une alternance, peu importe, trop bien, il y a un mot des façades démocratiques, je ne sais pas moi quoi. On a connu une alternance. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes encore, nakati ya batatonnement, nakati ya questionnement sur notre devenir. Est-ce qu'il faut commencer par à redéfinir le contenu qu'on donne à l'alternance? Bien évidemment. Toyeba, vous savez, hein, c'est pas pour rien que Bafoutakamoto n'a discours programme. C'est ce discours-là qui traduit quelle sera l'alternative, quel sera le changement, quel son pouvoir va nous amener. Hein? Le peuple n'est pas dupe. Le peuple est rationnel dans ses choix. Lorsque le peuple opère un choix, sache bien que le peuple aille à mesurer en tenant compte de ses instruments. Mais lorsque vous déjouez. Vous allez qu'on déjoue voix à peuple. Nous tombons les lots nakati à alternance, parce qu'il y a un changement, sans alternative, sans réel changement. Au moment où nous parlons, sans la gouvernance, Bokei, la faim va son baba, son plein, la sécurité, la pauvreté. Bokei n'a mon cali, les alités, je n'arrive pas jusque-là. Toi, sont les alikaka, toi, sont la fixation RDC. Donc, Bokei, oui, dans la RDC. Aujourd'hui, je vous ai toujours dit ici, nous sommes. Le dernier pays, à l'avant-dernier pays, avant le retrait, avant Yémen, qui est un pays dévasté par la guerre, nous sommes l'avant-dernier pays, avant le Togo, la Sima est retrait, en termes de gestion non démocratique. Merci, Alternative, je suis d'accord, mais l'alternance est une donne. Capital, évidemment. Merci. Très capital. Merci. À défaut d'alternance, il y a moi qui m'a un coup d'état, ma dictature. Merci. Il faut qu'il y ait l'alternance. Merci. Il faut le salaire. L'acceptation du peuple. Exactement. Qui est libre. Merci, prof. Merci à Donald Kabasé Lazate. Ce que ce sont les missions, vous avez battu Nandaku. Ote émission le les akibete pour sa population présente. Kabila Kamabe, Kabila Mdabobe Moko,
Félix Oster de côté. Fabio Avantir. Population congolaise a commencé à m'accaler. En fait, il y a un groupe de gens. Comme ça, il y a un gars politicien. Ça, la rame dans les gars, dans la télévision. En politique. Ça, même pas la siège à parti politique. Ça, la rame dans les gars, dans la télévision. Et un certain moment, il y a un contenu. Il y a aussi vague mon groupe de journalistes. Au contenu, ça passe. Ça, il y a un donc, ça. Token a réussi tout à la mariage et botami si kayamboto zonga token est ce qu'on a donné moroto liango la République démocratique du Congo alliance des alliances alliance objectif alliance vision alliance finalité liba la mauvaise salaire entre un bite vous allez Paris foot bon vous aussi aujourd'hui, ce qui justifie notre présence ici, c'est les sponsorings qui existent entre Telbet et l'un des grands clubs, le Daring Club Motema Pembe, Dora comme on l'appelle. Nous avions pensé Telbet, comme ça a toujours été notre politique, que partout où on s'implante, nous avons la politique de promouvoir le football local. Vous savez, aujourd'hui, pour avoir des grands clubs, certainement le président Vidier le dira tout à l'heure, ça demande beaucoup de moyens. Telbet Africa a pris un début en Afrique et commence dans six différents pays, dont la Tanzanie, le Kenya, Ghana, RDC et la Nigérie. Nous avons choisi aussi de supporter, de sponsoriser les équipes les plus ambitieuses dans chaque pays, dont des CMP, parce qu'on a vu vraiment un potentiel, puisque notre contribution peut vraiment faire une réelle différence visible et à la jeune population et aux jeunes athlètes et au reste. On emmène aussi avec nous la technologie qui est tenbet.com. Qui est réellement une technologie mondiale qui permet aux joueurs, aux parieurs, on met toujours le focus sur le parieur, de donner un vrai divertissement qui prend aussi en considération le responsible gaming que le parieur doit avoir. Pour nous, c'est une grande fierté. On a remercié la firme Tenbet d'avoir choisi le Daring Club Motema Pembe comme porte-étendard ici en République démocratique du Congo. Ils ont des ambitions assez élevées et ça matchait exactement avec les ambitions qu'a le DCMP aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Comme vous le savez, nous sommes au niveau de la Lina Foot, mais aussi engagés en compétition africaine. Et le fait que cette entreprise a un partenaire local et qu'elle va pouvoir apporter aussi des emplois au logo, pouvoir aussi redynamiser et donner une belle image de nos joueurs, de nos athlètes. Pas simplement, ils ont choisi aussi le DCMP, je pense aussi par le fait que nous sommes un club omnisport. Il n'y a pas simplement le football, il y a aussi le basketball, le volleyball, le handball et toutes les disciplines que nous allons développer pour les athlètes congolais. Donc la stratégie marketing et les ambitions que ont Tenbet collaient parfaitement avec les ambitions du club que je dirige aujourd'hui. C'est Pélina Tenbet, je suis connu de CNP. Je suis un membre moral, je suis un championnat, je suis un groupe d'Afrique. Je suis à la fierté, je suis un joueur de CNP. Merci, Johannes Ali. Partenariat Moukoué, Botami entre DCMP, Daring Club Motema Pembe, puis M-Byte et Zali, entreprise Moukoué à Paris sportif, donc à Paris, on va parier. Il y a Botami un contrat de 3 ans. 3 ans, Moukoué au Bandaro Mata. Pour la première année, il y a eu un montant de 160 000 dollars et puis Romata Tiro, le cas, 200 000 et puis quelques joueurs, où on a choisi comme la figure de proue pour l'entreprise, la quoi de la publicité autre, bah on s'appelle à moi ration, à bango, à moi prime, à bango, voilà on permet de serrer le camarade sur la main, tu peux s'appeler ma casse, la bande de nous sommes sportifs, secteur en groupe, bah le pas féminin, à moi ma cambo, pas problème, mais à ma casse qu'on a, vous mécanique au venir les cambois, la cambo sur la main là,
Aristote Ngarimi tokene na yo le fungo la balle en na yo alliance na République démocratique du Congo, alliance na Afrique, alliance dans le monde. Quand est-ce qu'il faut faire une alliance politique et par raison économique aux alanines et pousser un certain moment parti politique moko ya courant socialiste ya kosa la libala na parti politique moko ya courant d'abord tout qu'il n'a pas senti c'est parce que ça va s'approcher à ma tendance union sont tout qu'il est capitaliste. Bon Ndeko, merci pour la question Nayo. Et rappelez un moment réflexion de Sinasala qui les atouts et faiblesses y a l'alliance politique en RDC. C'est tout un sujet. Les atouts et faiblesses y a l'alliance politique en RDC. C'est justement un peu de réfléchir par là. Je crois que ça la plus allusion la force sociale et politique autour du Kosala, autour du d'abord, il faut rappeler que c'est une pratique courante en politique et même dans celle politique qui est l'alliance et Salema. Généralement, un seul parti politique a du mal à conquérir le pouvoir. Raison pour laquelle il a recours à d'autres partenaires politiques, d'autres alliances pour permettre d'atteindre un objectif. C'est une pratique courante dans la scène politique. Ce qui est d'abord à noter. Et dès ici, très chers journalistes, il faut beaucoup plus noter des éléments majeurs qui guident l'alliance politique, des facteurs importants qui gouvernent l'alliance politique. Premier facteur, l'alliance politique, c'est d'abord la nécessité. La nécessité, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a nécessité que tel ou tel parti politique, tel ou tel regroupement politique, va se retrouver en forme, sous format alliance pour suivre un objectif? D'abord, la nécessité pose problème. Et généralement, tel politique, parti politique, ça a guidé par la nécessité. Otali, qui est en effet un danger commun, l'objectif commun, autre Kolanda, nécessaire que vous se retrouvez. Deuxième point majeur, hormis le fait qu'il y a la nécessité, il y a également ce qu'on appelle l'intérêt. Vous voyez, l'intérêt que chaque organe politique, chaque parti politique, chaque regroupement politique a attiré l'alliance Wana. Du coup, voilà des éléments majeurs à notre entendement pour nous dire comment est-ce qu'on peut faire une alliance politique. C'est généralement quitté par la nécessité et par l'intérêt. Maintenant, l'idée serait de savoir, est-ce que dans notre pays, on a déjà eu une alliance politique où ils ont fondé, bien que la faiblesse, faiblesse, c'est une alliance politique qui a généralement été contre l'idéologie politique. Le courant politique, on ne tient pas compte de ça. C'est ça ma faiblesse. Donc, on vient parce qu'il y a nécessité, il y a aussi intérêt de former à une alliance. Et ça, les mamans. C'est quand même que le solo m'a manqué. 1 minute 30. Namboka Oyo, on a déjà fait reculer un président de la République. D'abord, il faut rappeler ici, Lelo, depuis 1960, Lelo, aucun président de la République n'a été isolé politiquement comme Félix Tshisekedi. Il vient d'être isolé par les acteurs majeurs du pays. Isolé. Joseph Kabila l'a été aussi. Non, moi je parle. Joseph Kabila avait son organisation, AMP, FCC, si je l'avais, la terre politique, et belé. Mais Lelo Oyo. Avec l'accord de Salio et l'accord force sociale et politique de Salio et regroupé Matignon sur le bloc de Salio, mais le président Félix Tshisekedi est isolé politiquement. Ce qui a poussé à revoir l'ordonnance. Pourquoi Mobutu à la Mouki, président Mobutu un jour, Mouki le signe à Mobutu, à ça la conférence nationale souveraine. Mobutu, au lieu à signer ordonnance. Pour la couper sa conférence nationale souveraine, Mobutu a signé ordonnance où a constitué la conférence constitutionnelle. Pour n'ayez, Alina qui va se retrouver dans la conférence constitutionnelle, va adopter la constitution de M. Supombo qui a émigré vers la Troisième République. Ça, c'est Mobutu. Une fois que l'ordonnance ouana est créée, va toller la classe politique. Moutaliboso, il dépresse. Et tiens, c'est que d'abouya. Non, 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 non. À manière comme ça, d'ailleurs, à remettre en cause légitimité à pouvoir à Mobutu. Abissa, nous ne sommes pas d'accord. Tous à la conférence nationale souveraine, mais tous à l'étambouté.
Il y a Mintami Balé, PDC, il y a Ileo. Alors il dit non, ça nous ne sommes pas partie prenante. Il y a Misato, Iferi, Yangunza, alors il dit non plus Tondimi Angote. Et plus tard, bah, il y a une conférence de souverain, pour la Kosenga, caractère, moi, opposabilité, il y a un bloc qui m'a créé à l'époque. Union sacrée pour l'opposition. C'est un peu. Et c'était un élément clé où il jouera sur la durabilité à l'alliance et puis sur un certain moment sur la franchise, la katina, la franchise, l'engagement et la partie prenante la katina alliance. Bon, Lelo et Sengeli Baï, politique Baï Baïté, ce que vous appelez les idéologies politiques, hein? Bah, fraction, hein? Bah, idéologie, bah, appartenance idéologique, Lelo et Zali, Zali de passé. Vous allez largement dépasser parce que Batang encore, hein, Batang va comprendre, vous allez largement dépasser. Aujourd'hui, quand vous prenez ceux qui se disent social-démocratie, Mélenchon, quand ils sont au pouvoir, même aux États-Unis, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, proche, c'est vraiment qu'on s'est différencié. La différence sera amicale. Donc mineur. Surtout chez nous, maintenant, l'espace africain, et l'idéologie, depuis la nuit de temps. N'ont jamais été respecté. Et pas Nabusso, tous allés présider par Otto Bengaka. Bon, dans le bango, logique, comme ça, il dit, dans le bango, logique, moko utilitariste, marchande. Quand un acteur a eu qu'on signe un contrat, il y a tout le monde qui a eu un en tout cas. Bon, ça n'a combien? Qu'est-ce que je vais gagner? Ce qui est dans ma pouvoir. Ce qui est allé, Makambo Oyo, il y a opposition. Là, il y a quand un acteur politique a eu ça là, Moussala Mokoboué, le parti politique vise le pouvoir. L'acteur vise aussi le pouvoir. Le pouvoir est allé en jeu majeur. Il y a un acteur politique. Le pouvoir peut-être est négocié par le gouverneur, tant que nous sommes dans la commune, nous sommes dans la présidente de la République, nous sommes dans la moto, nous allons mettre la stratégie. Nous allons briser l'alliance ou les alliés autour de Naka, autour de Naka, ils allons une alliance, une marge de manœuvre. Au acteur babaroko sangana hein baluka comment que élargir ma zone na bango d'incertitude hein pour na baluka quoi accéder na pouvoir tant que bande ko baye et pas la vue sur les problèmes peut dans le cambou ya vision tant que to sangana ka des fois na comme on a alliance pour fini déjà préalable avant tout ça alliance mo et salami na mboka oyo auto ko benga union sacrée alliance wana za la kana charte té da kana vision té rien n'est écrit sur papier les alliés oral na 21e siècle. Je pense que pour vous en avoir terme de référence, dans une telle alliance, c'est un vraiment problème. Voilà fragilité à l'alliance Tamiso. Tango Tokoloba, parti de masse, parti de quatre. Je vais encore aider les gens à comprendre que, avec l'universalisation du suffrage, le parti de cadre est basé en tirail en mot. Ça n'existe plus dans la classification. Okay. Hein? Donc, on va trouver parti de cadre. Au parti de Balomanamakanishwa. Hein? Parce que la science évolue tellement que Bandekobatka na moi si ma mingi. Mais moi si mes alliés mingi. Voilà. L'ikambozali, les lots, il y a une nécessité. On est face, qu'on ne se vole pas la face, face à une dictature. Na ma vérité dictatoriale auto komona les lots. Monopolisation outrancière, il y a pouvoir na maboko ya moto, mon corps. Même à taba, les lots sociétés alliés atomisées. Hein, entre Nicolo, c'est pas trop chargé pour finir. C'est pas trop chargé pour finir. Voilà, Aristote, une minute sur ça, Aristote. Donc, ma vie, voyez, nécessité, on a l'air pour ça, là, que Batoba Sangana, pour mater les Melabokos, Oyo. Vous savez, lorsque nous prenons tout au candidat d'élection, tout au candidat qui sont été, et c'est lui qui constitue ça là-bas. Batoba cause la mokozia mboka kolobe la makambo ya ram, makambo ya bana kelasi, pe makambo yo ya seni. Pour la première fois, je vois un président de la République passe à la télévision pour motiver ordonnance naïe. Ça, c'est une première dans l'histoire.
Et je me dis, ça c'est une nouvelle pratique. Ou bien, école Makamoyasika. Changeons les narratifs peut-être. Aristote Karim, est-ce que, enfin, je ne préfère pas dire l'intérêt, je préfère le mettre au pluriel, les intérêts ne sont pas ces quelques éléments qui détruisent à chaque fois l'Alliance de la République démocratique du Congo. Ok, pour finir le bi, yozo luka commune, ngana zo luka boy, ngana zo luka boy, tout ça li fusion moko pour atteindre objectif moko. Mais lorsque batoubaye dans les soucis, avec dans les soucis à s'opposer à une force, batouba définir la lutte ou bah répartir dans le thème à intérêt. Les cas les plus chers, ton rôle va le soir, il y a la mouka. Tant qu'on le bat à ton Melim Bondo, ils n'ont pas encore, ils n'avaient pas encore défini qui va faire quoi dans cette famille, dans Melim Bondo. La suite, je me sens frustré dans cette démarche, je me sens frustré dans les choix, je me bats. Est-ce que les intérêts aujourd'hui peuvent constituer en Afrique, je ne parle pas toujours à Congo, mais l'exemple à Congo est peut-être plus patent, est-ce que les intérêts en Afrique constituent aujourd'hui un élément qui peut à chaque fois ruiner et fragiliser l'Alliance de la République démocratique du Congo et le reste d'Afrique? Merci Ndeko Kalafai. Encore une fois, permettez-moi de rappeler que dans l'histoire politique il y a Congo, pour le président Nyonso va se succéder, à chaque fois que bah groupe opposition ou soit bah terre politique majeure bah c'est Rémi Saka dans le lengue yo, le président en fonction, le président en place a toujours sima et ça très difficile pour nous à Kennedy Bosso. Il y a des cas, plusieurs cas où yo et pour démontrer que l'actuel président, même si a eu ordonnance aux actes pour investir justement malgré que Iwana, mais je vous dis avec cette force, cette coalition où il s'est dégagé pour la côte à la contre-ordonnance ou à histoire politique de l'Axabiso, soit c'est le chaos, soit il va reculer. Donc il peut, le président actuel n'a pas été plus puissant que Maréchal. Maréchal avait une forte concentration de pouvoir. Maréchal pouvait s'en passer dans la conférence. S'il vous plaît, nous sommes déjà dans les chaos. On ne définit pas encore, les choses de cette façon-là. Pour vous dire que Mobutu avait la concentration de pouvoir. Mobutu voulait s'en passer dans la conférence nationale souveraine. Parce qu'il y avait déjà une ordonnance à tirer conférence constitutionnelle. Il était le plus puissant Mobutu. Mais quand il y a l'opposition, union sacrée pour l'opposition, bah, c'est créé. Le président Mobutu Zonga Sima, bien qu'il était puissant. Donc l'histoire va se répéter. Avec notre coalition contre l'ordonnance. Justement, il faut se rappeler. Dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle une alliance ad hoc. Une alliance temporaire. Une alliance bien définie. Vous allez alliance à gouvernance T. Ça, il faut dire. L'alliance qu'on a fait, Nino, ce n'est pas une alliance à gouvernance, mais c'est une alliance ad hoc. Une alliance temporaire, spéciale. Bah, pour définir quoi dans la lettre, wana, qu'est-ce que nous envisageons? D'abord, un, to lingiba longola ko politiser seria outrance. Et ça, la katikuna. To sengi pe kuna ndeko fachi, atika dictature fasciste. Parce qu'il a ma velléité dictatoriale comme qu'on l'a taillé de plus en plus. Encore la personne qu'on concentre pour voir le bon qu'on a eu. C'est ça la dictature. Donc tout est déjà défini. Sur le préambule, le temps de texte, voilà, à coalition, ça y a un ad hoc, c'est défini. D'abord, je ne parle pas d'intérêt. Je ne parle pas d'intérêt. Je parle pas d'intérêt, une minute, tout ça. Ce qui guide les actions d'un homme politique, c'est les intérêts politiques. C'est ça, un homme politique est guidé par les intérêts politiques. Aucune action ne peut se faire à la politique sans son intérêt, définir son intérêt. Qu'est-ce que je gagne? Tu es une église, tu es même à l'église, on sait que j'avais pour un côté à Lola. Mais il faut savoir qu'est-ce que moi je gagne quand j'intègre une coalition. Pour nous d'abord, à ce stade, c'est pour réduire la capacité de nuisance dictatoriale de Félix Tshisekedi. Cette capacité de nuisance dictatoriale. Paul Lolo a eu imposé Misso, président Cour constitutionnelle. A eu imposé Misso, président Asseni. A eu imposé Misso de gauche à droite. A eu désarticulé, écoutez-moi, désarticulé la texte de la République. Donc nous voulons être contre lui. Et puis, dès que c'est ça l'intérêt, il y a la commission, il y a l'alliance au Hadok. C'est qu'il faut retenir. Merci. Deux minutes presque, tout ce qui ça, prof Yeni. Lorsque l'opposition s'est réunie, dans la plupart des cas, le pouvoir Et pour la plupart des cas, n'a pas le bango. La main tendue à pouvoir
et affaibli ça toujours opposition. Est-ce que aujourd'hui, ça c'est une question directe, décidé qui s'engage sur ce terrain là, connaissant qu'il y a dans cette grande famille, dans cette famille élargie, c'est qui peut-être demain seront tentés et vont rejoindre notre bord parce qu'il y a quelques postes de responsabilité où ils allient, ils vont sur la bango. Et puis les lots, ils ont dit qu'ils ne vont retenir, vous voyez. Les lots, ils ont comprendre que tant que vous avez Martin Fayolle, l'œuvre de la nation, il y a un colo, tant que vous avez la SID, Martin Fayolle, personnellement, je crois bien, nul à contredire, Martin Fayolle, c'est l'homme qui a dit non aux émoluments tant que Sengel a quitté. Moto à l'obaki n'aï n'a pas tapis rouge était ce qui vous respectait volonté à peuple était. Moto à yambo à l'obaki était réforme, dépolitisation, Martin Fayolle. Tant que l'obayango a mon acquitté ma camoué à partage à vos causes, partage à pouvoir. Nous n'a décidé de s'engager dans la démarche haute pour la partage à pouvoir. Bisso Tolingi Boye. D'abord, un, tu y dit que Martin Fayolle, peu importe ce que vous nous trompez là dans le sondage, Martin Fayolle est le politicien le plus populaire ça, de la République démocratique du Congo. Ça, c'est vous qui aujourd'hui, dites. Vous organisez des élections. C'est cabinet qui est le plus populaire. Ça, c'est vous qui bon, dites. Vous je organisez pas, c'est des vous élections. Vous moi, je crois. Quand Martin Fayolle a gagné haut la main. Donc, on prend la bisso, Tony Boye, ceux qui savent que l'Union Oyebo, ceux qui sont allés contre, n'est pas le nom de la dictature. Le nom de la dictature, ils allaient même ennemis à l'Ibosso et à régime ou ils allaient social. Ram n'est opposant à l'Ibosso. Ram, opposé à l'Ibale, pris à Bagué Bapondi surgelé. Opposé à ma promesse, je savoir qui a un voyage improductif. Non, il y a un il y a un tunnel. En fait, quand je dis Bino, c'est le FCC. Vous avez un exemple le plus récent. Vous en avez il y a FCC Cash. Quelques de vos députés, Batikali, Bakati, en vous engageant la structure comme ça, c'est qu'on a bloqué patriotique Bozo Beyango. Et si demain, il y a une main tendue, aux offrir quelques avantages dans la Bino, vous allez vous retrouver dans la même phase que vous comme la Bino. En politique, il faut s'y attendre à tout. Je vis des gens dire. Fort, convaincu, mais avec le temps, avec la puissance financière, avec la puissance des postes, des responsabilités, bah lâcher. Mais, on les a dit, bah, plaisir beaucoup éphémère. Le plus important, c'est de faire échec dans la dictature fasciste. C'est ce qui est le plus important. Donc, nous savons, comment expliquez-vous une personne comme Moïse Katumbi? Il a clairement dit que ceux qui vont dépasser ligne rouge, ceux qui vont saler forcing avec un bois CNI, ceux qui vont salir, vont tirer loin, ils ont une ligne rouge pour n'aller. Comment un monsieur qui a dit ça aujourd'hui, il a du mal à s'assimiler. Il n'y a pas un répondant donc. Pourquoi il a dit ça? C'est que je veux dire que la puissance, il y a pouvoir, il y a poste. Nous savons que Mamoussou a aucun. Mais à retenir que le côté salaire, c'est pour réduire la capacité de nuisance dictatoriale. Merci. On n'a plus les mots, on ne sait plus vivre dans ce pays parce qu'il y a une dictature atroce. Merci. Nous sommes contre ça. Merci à l'instant. Rémi Profiani, merci Nayo, tout ce qui s'est émission, on a les leurs. Baroulage, même général Kassonga Zokam, a vu le série Bourouyo, quand Ndengene n'est pas si canine. Baroulage, général Kassonga Zokam, à l'obiti à l'embi. Kolonga, Willery, sur le boulevard du trajet, tu comme presque la gare sans date aucune marque. Ce qu'on a en face, il y a BCDC. Et là, on va rouler, j'en ai pas la Maurice Limbi, sans que ça ait une explication. Ou alors, la Katikati en Zéla, à Téboui, Bolik, à Bengibilo Bolik. Ce qu'on a monné à Moutoumou, à Zéla, côté maman, tu fais des remontées, moi, passez ma boue à Kani. Ce qu'on s'est retrouvé à la Bakoumino 5, attendre le 50. Général, là, sur la gomme, qu'on l'aime, ma bino barouage. Malgré ma sambéli pour la bino, bozo yo kate. Bakangi bino pas général, là, sur bozo yo kate. Ministre intérieur, kangi bino, bozo yo kate. Yamou bino barouage, bozakana ba bokilo, bozakana bana, bozakana ba semen, topino bozakana ba toante, bobima bino ra boui. Boya ka bino mokona mokil, bobo yo ka sonite. Bino barouage, boya ka boui, bino mokona bozanga famille, bobo yo ka sonite.
Bakonzi na bino balembi bino. Maurice Nathan a paragraphe. Ça en haut 2-3 lignes. La théorie des jeux est un ensemble d'outils analytiques destinés à nous aider à comprendre les phénomènes que nous observons lorsque les décideurs interagissent. Elle se fonde sur deux hypothèses. Les décideurs poursuivent des objectifs bien définis, ils sont rationnels et ils exploitent ce qu'ils connaissent ou anticipent du comportement des auteurs décideurs. Ils raisonnent stratégiquement. Ma politicien, si vous tangez le comme moi, madame, débobo ça, la Twitter touche à la population, tu joues avec les problèmes. Merci d'avoir une émission à l'élection.